Idealist. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, petite vidéo très rapide, puisque la vidéo du jeudi classique sortira demain. Elle a nécessité pas mal de mise en place, donc du coup bah, elle a été décalée d'une journée. Aujourd'hui je vous fais tout simplement une petite vidéo rapide pour vous parler du concours qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux avec RetroGame25. RetroGame25, je vous mets un lien dans la description, c'est une boîte avec laquelle je bosse régulièrement, qui me fournit pas mal des produits que je vous présente, et qui tout simplement est venue s'associer à moi pour fournir des lots pour le concours. Donc pour ce concours, avant de vous parler comment participer, on va parler un petit peu des lots qui sont disponibles. Le lot numéro 1 n'est autre qu'une Legendary Collection Game Board Edition, une boîte que j'ai déjà ouverte, je vous mets le lien dans la description et par là aussi normalement. Plus la baguette du Millennium imprimée en 3D, donc encore une fois les impressions 3D, je vous ai fait une vidéo également, je vous mets les liens dans la description encore une fois. Ça c'est le numéro 1, le lot numéro 1, donc vous repartez avec deux produits. Le lot numéro 2, c'est deux movie packs qui sont sortis il y a quelques mois, accompagnés d'un puzzle du Millennium. Pourquoi un puzzle du Millennium? J'en ai un juste ici, donc voilà, vous gagnerez ça en plus, grosso modo, donc il est assez joli. J'en imprimerai un autre, celui-là c'est le mien. Donc voilà, pourquoi un puzzle du Millennium? Pardon, tout simplement parce que les movie packs, c'est tout simplement les cartes qui sont tirées de l'animé, et le puzzle du Millennium est vraiment l'objet emblématique de l'animé, donc on a décidé de les mettre ensemble. Et le troisième lot, c'est 5 boosters random, donc on ne vous dévoilera pas les boosters avant que vous les receviez, accompagnés d'une clé du Millennium. Donc ça fait vraiment 3 jolis lots, je vous en ai un petit aperçu juste ici, des lots disponibles. Pour participer à tout ça, c'est gratuit, évidemment. Il vous suffit pour Facebook de liker la page Monster Reborn, liker la page RetroGame25, de partager le concours et de taguer 3 potes dans le concours, dans les commentaires du concours pour pouvoir participer. Pour Twitter, eh bien c'est grosso modo la même chose, follow RetroGame25, follow Monster Reborn, taguer 3 potes de la même façon et retweeter le concours. Évidemment, si vous participez sur les deux plateformes, vous aurez 2 fois plus de chances d'être tiré au sort. Pourquoi? Parce que nous on met toutes les participations dans un logiciel et le logiciel tire au sort. Évidemment, si vous avez participé et sur Facebook et sur Twitter, ben, votre nom il apparaîtra 2 fois. Donc techniquement, vous avez plus de chances de gagner si vous participez sur les deux plateformes. N'hésitez pas à inviter vos potes. Évidemment, ça fait toujours plaisir. L'idée, c'est de faire participer un maximum de monde. D'une part, parce que eh bien, ça nous fait plaisir d'organiser un concours. Et d'autre part, parce que bah, c'est intéressant de se faire connaître par ce biais-là. Et puis, bah, c'est Noël, donc on vous fait des cadeaux. C'est quand même plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo très très rapide ne vous aura pas dérangé. La vidéo du jeudi arrive demain, promis. Il n'y a pas de souci. Elle sera, du coup, ce sera la vidéo du vendredi. Elle est en featuring avec un YouTuber assez connu. C'est pour ça que ça nécessite pas mal de temps. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce petit concours vous plaira aussi également. En tout cas, sur ce, les petits potes, prenez soin de vous, faites nombre duel et collection de cartes. N'hésitez pas à participer au concours, ça fait plaisir. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao!